Bonjour, nous sommes présentement au projet d'agriculture communautaire de la MRC d'Argenteuil. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, bonjour, mon nom c'est Sophie Stola-Boivin. Je suis artiste multidisciplinaire et mon projet, c'est les murales participatives. Donc, en voici une. Comment est-ce que SOAR aide la communauté au niveau social? SOAR, par son projet de murales participatives, en fait, implique autant des jeunes, des adultes, des aînés à réaliser des œuvres d'art. Donc, c'est des œuvres figuratives. C'est des œuvres qui sont très faciles à faire parce que tout est tracé à l'avance. Donc, autant au niveau de la valorisation de soi, autant que au niveau de l'implication, du partage entre les gens, SOAR aide de cette façon-là. Comment est-ce que SOAR pourrait bénéficier de l'implication bénévole des jeunes de la région? En fait, SOAR pourrait bénéficier par le fait de trouver des projets, de trouver des murs. Les jeunes pourraient trouver des endroits qui seraient intéressants à peindre, autant intérieur qu'extérieur. Bien sûr, intérieur, ça pourrait être à l'hiver. Donc, aussi la préparation des surfaces, aussi du début de la création à la fin. Donc, le brainstorming, on fait un remue-ménage d'idées, puis ensuite, tout le monde peint ensemble. Donc, à tous les niveaux, on peut s'impliquer dans les projets. Quels sont les objectifs de SOAR à court et à long terme? En fait, les objectifs sont de, bien sûr, continuer à faire des murales participatives et puis, à long terme, d'en développer encore plus. Mais j'ai aussi des buts de... Je veux réaliser certaines œuvres, seulement moi, personnel à moi. Donc, en gros, c'est de continuer à répandre mes couleurs, à faire participer les gens, à faire en sorte que les gens s'impliquent, partagent et vivent des moments précieux, parce qu'à chaque mural, c'est super. On peut réaliser des choses dans le calme. On a une place de création. Ça peut nous donner une voix, dans le fond, si on a quelque chose à dire et à partager. Bien, c'est un bon moyen de rendre les choses visuelles. Pouvez-vous nous parler plus en détail de ce qu'est une murale participative? Okay. Une murale participative, c'est en fait une œuvre qu'on réalise ensemble du début à la fin. Donc moi, qu'est-ce que je fais, c'est qu'on fait une rencontre. Mettons, on discute d'un thème, d'un sujet qu'on veut partager, qu'on veut parler de. Donc, on discute ensemble. Donc moi, avec toutes les idées de tout le monde, c'est comme si j'en fais un gros croquis qui rassemble toutes les idées de tous. Et ensuite, j'en fais, c'est sûr, une œuvre, mais je trace tout à l'avance et ensuite tout le monde vient peindre ensemble. Donc, je montre des techniques, je montre comment faire certains concepts. Donc, c'est ça. En bout de ligne, ça finit par être une œuvre figurative que tout le monde peut partager. Quelle est la mission de SOAR? Mais la mission de SOAR, c'est de faire des œuvres, d'échanger, de donner des voix aux gens, mais aussi échanger dans la joie, dans le bonheur, partager, oublier les problèmes et faire quelque chose d'amusant. Quels sont les différents services offerts par SOAR? En fait, je peux faire... mon principal service, c'est vraiment les murales participatives, mais je fais aussi de la peinture en direct. Je fais aussi des peintures sur toile. Je fais aussi un peu de graphisme. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Fait que dans le fond, j'aimerais vous inviter, si vous voulez partager un projet, si vous avez quelque chose à dire, si vous avez un message à passer et que vous ne savez pas comment le transmettre et que vous aimez l'art, je vous invite à faire un projet avec moi. C'est super le fun. Je laisse la place à tout le monde. Tout le monde est artiste. Même si on pense qu'on n'a pas de talent, tout le monde a du talent. C'est très facile, c'est très simple. C'est comme une grosse peinture à numéro. Donc, tout est tracé à l'avance et je vous montre toutes les étapes. Donc, je vous invite à venir partager vos couleurs avec moi. Merci!